Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un nouvel unboxing de maillot commandé sur Ben Jersey. Donc là c'est un maillot, comme on l'avait bien pu le voir, de Benzema du Real Madrid. Alors je vais prendre le papier, on va sortir le maillot. Alors c'est un maillot de la saison 2018-2019. Alors ce maillot... C'est un version joueur de Adidas, donc bénéficiant de la technologie, comme vous l'avez pu voir, Climachill. Donc les tags, ils sont là, voilà, donc avec les étiquettes. Donc on peut voir les étiquettes officielles hein, du Real Madrid, avec tous les guides de lavage. Le guide Climachill, voilà, améliorer votre jeu, rester au frais, etc. Ensuite... Pareil, des petites étiquettes et le dos du guide de lavage, bref, voilà. Donc ça, ce sont les étiquettes qui sont sur les maillots quand vous les recevez. Bien sûr, dans le sac Adidas, voilà. Donc c'est toujours un petit plus, hein, ça fait quelque chose de très professionnel. Ensuite, donc du coup, j'ai pris le maillot donc du coup du Real Madrid de la saison 2018-2019 avec le badge. Donc on va pouvoir regarder les détails de la FIFA. Voilà, de la, comme quoi ils étaient champions des Coupes du Monde des clubs 2018. Vous pouvez voir hein, les détails. Voilà. Ensuite, sur les maillots version joueur, moi ce que je prends personnellement, c'est parce qu'on a le choix et focus. Voilà, vous pouvez le voir, c'est que les logos Adidas, ils sont pas brodés. Donc vous avez très peu de chance d'avoir un défaut sur un logo qui va être thermocollé, donc comme on peut le voir, voilà, donc c'est pas du tout brodé. Et ensuite c'est pareil pour le logo du club, c'est que le logo il est ni brodé, il est thermocollé, donc en fait c'est les défauts de couture sont impossibles à voir. Donc vu qu'il n'y a pas de couture, c'est tout con quoi. Pareil, c'est comme si c'était floqué, donc là voilà, c'est thermocollé, c'est du patch en vinyle quoi, c'est du logo en vinyle. Petit bruit là en plastique. Ensuite j'ai pris le badge Champions League, donc du coup parce qu'ils étaient champions en titre, donc du coup ça c'est le badge champion en titre 2018, voilà. Et ensuite du coup le badge respect avec le nombre de Ligue des Champions, du coup 13, et le badge respect de l'UEFA. Ensuite le logo Fly Emirates, le flocage du sponsor de devant, ben, voilà, hein, y a rien à dire, c'est franchement pas mal. Après au niveau des coutures, donc ça c'est au niveau du bouton, du col. Donc là il y a les coutures internes, bon il y a des petits fils. Hein. Après sinon pas de défaut à voir. Pareil de ce côté, vous avez pareil la taille. Donc la taille M avec toujours l'inscription Climachill, Made in Thailand. Pareil Climachill. Alors moi je prends du M et je mesure 1m82. Donc moi je trouve au niveau de la taille, Adidas a toujours été un peu plus grand que Nike. Mais sur ces maillots version joueur, le sizing, le fit, il est un peu plus serré parce que c'est des maillots qui collent un peu plus au corps et tout. Donc moi je prends du M et ça me va toujours. C'est un peu plus collé au corps, moi j'aime bien personnellement. Donc voilà, après les maillots, les vrais maillots d'Adidas sont un peu plus larges que Nike. Mais moi je prends toujours mes tailles habituelles quoi. Voilà, et ensuite on va passer au flocage. Alors un petit conseil pour le flocage hein. Voilà, pour pas que vous voulez qu'il s'en aille ou quoi que ce soit, mais vous lavez vos maillots à l'envers, à 30 degrés, et vous aurez aucun problème. Donc là, vous allez voir le flocage Benzema, donc voilà. Avec le numéro 9. Voilà, donc ensuite, les détails du flocage. Alors ça, c'est la typologie... Donc ça, c'est le flocage Champions League, parce qu'en Liga, ils ont un autre flocage de Real Madrid. C'est comme un peu en première ligue, c'est un flocage universel pour chaque équipe. Donc vous pouvez avoir les détails du flocage. Donc avec le numéro, voilà, avec le logo du Real. Les petits points. Voilà, numéro 9. Et le lettrage. Voilà, flocage officiel. Donc voilà, hein, le flocage, il est de bonne, très bonne qualité, je trouve. Et même la qualité du tissu hein, en soi. Hein. La qualité du tissu, c'est un tissu franchement
Ça on voit la différence entre un maillot climat cool et un maillot climat chill quoi. C'est extensible, c'est résistant. Après, il y a d'autres voilà, il y a le petit patch authentique. Voilà. Vous pouvez voir authentique, voilà, je sais pas si vous voyez bien de Adidas. Il y a aussi le petit climat chill. Voilà. C'est un peu comme Vapornate chez Vaporknit chez Nike. Voilà, c'est chacun leur technologie de maillot de match. Et ce qui est Adidas là, ce qu'ils font, c'est que ils n'ont pas des petits trous d'aération. C'est le tissu en lui-même qui aère, tandis que Nike c'est le tissu qui aère. Il y a aussi des petits trous. Si vous avez pu voir mes anciennes vidéos sur le maillot d'Mbappé. Voilà. Donc ensuite, la livraison toujours en 2-3 semaines hein, après commande, livraison gratuite. Jamais eu de problème de livraison, personnellement, ni avec les douanes ou quoi que ce soit. Et vous avez un code promo là que je vous mets dans la description. Vous avez un code promo. Donc je vais vous le mettre à l'écran aussi, je pense. Et vous avez 5$ de remise sur votre commande. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour un nouvel unboxing. Allez, à la prochaine!